le souffle du baobab, dans la douce chaleur du soir, les histoires s'éveillent et montent de la terre. Et mon histoire se finit là. Ceux qui l'auront respiré iront au paradis. Demande de fabriquer la plus grande masse du monde. Alors, ils sont 20 pour la soulever et de toute leur force. Il a été bien plein, elle a mis ça sur son épaule et elle est partie en courant. Tant pis pour celui qui n'y croit. Tant pis. Le souffle du baobab est un spectacle qui dure à peu près une heure. Nous avons essayé de créer un véritable équilibre entre musique et conte. Nous avons fait le choix du tout acoustique. L'instrument est là, en direct, s'adapte complètement à ce qui se passe, laisse une part à l'improvisation. Et où constamment la danse peut intervenir. Il y a beaucoup de personnages, notamment beaucoup d'animaux. L'instrumental, je l'ai voué à l'accompagnement de la parole. Et pour ce faire, je me suis inspiré au fil des ans des griots qui sont les détenteurs ancestraux de ce savoir de l'accompagnement de la parole.